Moi, je mangerais des frites toute la journée. Alors, si on peut manger le même plat toute la vie sans prendre trop de fesses, parce que c'est ça le problème. Je mangerais des frites, mais bon, non, je mangerais des frites quand même, ça c'est bien, des frites. Ouais, moi ce serait de la pizza. Mmh. Toutes les pizzas en fait. Ah, il y a plus de variété si tu manges des pizzas. C'est pour ça, parce que pour toute la vie, par exemple, avec la pizza, il y a quand même une grande variété. Tu t'ennuies pas complètement. On peut faire des frites de patates douces, remarque. Alors, j'ai pas précisé des frites de pommes de terre, tu vois. Mais la pizza, c'est quand même une. Mais parce que la pizza, tu peux faire la pizza à la tartiflette, par exemple. Donc, ça, tu renouvelles complètement le. Bon, bah, je change, je prends pizza aussi. Je pense que c'est le meilleur choix. Ouais. Si j'étais un animal, moi je crois que je serais un chat. Parce que je l'aime bien et parce que ça me correspond bien. Et puis j'ai connu personnellement un chat qui mangeait de la pizza. Ah. Donc c'est un bon point. Alors moi je serais un chien. Un chien avec plein de poils, un sympathique qui court partout, qui est très très content ou qui fait la sieste. Et. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Je serais Bertie parce qu'en fait c'est moi quand j'étais petite, donc c'est facile. Bertie, c'est toi, tu vois, c'est comme Madame Bovary. Voilà. Alors moi je serais Donatello des Tortues Ninja parce qu'il se nourrit de pizza. Parce que j'aime bien. Oh là là, ça c'est pas facile, ça je serais un tablier de pizzaïolo, je pense. Et toi? Ah, c'est dur comme question. Je serais une paire de chaussettes en laine. Non, des paires de chaussettes en tissu synthétique très molletonnées là qu'on met en hiver pour avoir très chaud et pouvoir lire des livres comme ça avec une couverture. En Femtex, les trucs qu'on a découverts au Québec. Ah oui, c'est voilà, ça. Des... Ouais. Et des grosses chaussettes comme ça.